Uni de ti kambila duwe du kari kari Ukute temile Nufose ti kwambo Wewe di wuna julu Wewe di wuna julu Webo sila tata zambi Udi budi tata zambi Udi budi tata mile Tata zambi re tata mile Ula julu ula julu Ula julu meni wele Nous vous imaginons très nombreux autour de vos postes récepteurs en train de suivre les programmes de la RTA-OPH. Nous sommes ici dans le studio de la RTA-OPH pour une tribune spéciale prélude à la fête d'Action de Grâce, une fête qui se célèbre chaque année dans l'association Luzolo Amour. Et pour avoir la quintessence de cette fête, nous avons donc fait venir dans ce studio des éminents prédicateurs qui vont nous éclairer sur cette fête. Mais à l'animation de cette tribune, je suis le vôtre, Théodore Tsiété. Alors, sans plus tarder, je veux recevoir mes invités. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que on peut se faire connaître pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent? Je commence donc à l'extrême de ma droite. Merci, monsieur le journaliste. Je suis le frère Ngoubili Antoine, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Je suis le frère Alain Kitemo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur, selon Guy-Émile Ofoa Sétikwabo. Jean-Claver Mavungu, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section d'arrondissement Sion, prédicateur, selon Guy-Émile Ofoa Sétikwabo. Merci mes chers prédicateurs, nous allons donc entrer dans le vif de notre tribune. Nous avons dit que cette tribune c'est prélude à la fête d'Action de Grâce. Alors, chers prédicateurs, nous savons que quand quelqu'un te fait du bien ou quand Dieu nous fait du bien, nous lui disons merci et nous lui rendons aussi grâce. Alors, tous ceux qui nous suivent aimeraient savoir pourquoi une fête d'action de grâce dans l'association Luzolo Amour. Fête d'action de grâce dans l'association Luzolo Amour, c'est une institution de l'éternel Guy-Émile Ofoa Sétikwabo. Au sein donc de cette institution, je veux dire au sein de l'association Luzolo Amour. Et cette institution, c'est le fait de la note circulaire numéro 095 du 18 juin 2001. Cette fois, s'il vous plaît, c'est l'éternel Guy-Émile Ofoa Sétikwabo qui fait une invite aux uns et aux autres de façon qu'on arrive et qu'on puisse glorifier, qu'on puisse magnifier, qu'on puisse manifester notre joie en l'honneur de l'éternel qui a fait tout ce qu'il a fait. C'est une invitation très spéciale. Mais s'il vous plaît, il n'est pas question donc de confondre le fait que chaque soir, par exemple, avant de dormir, nous disons merci à l'Éternel qui nous a conduits depuis les premières heures du matin jusqu'aux dernières heures. Le lendemain, tôt le matin, avant d'entreprendre ceci ou cela, que nous nous donnions la peine de présenter tout notre programme à l'Éternel, Guy-Émile Ofoa Sétikwabo, ça se fait. Et d'ordinaire, c'est de cette façon que nous gérons notre vie de tous les jours. Mais cependant, cette fois-ci, la solennité est déclarée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se fait de façon très, très solennelle. Parce que c'est une invitation très spéciale. Voilà, à l'opposé de ce que nous faisons tous les jours, à l'opposé de ce que nous faisons chaque fois que nous recevons quelque chose, ou de l'Éternel, ou de notre prochain, nous prenons le soin de dire merci. Mais cette fois-ci, le merci qui se dit est très spécial. Et c'est ainsi que les autres de l'autre côté, sous notre cieux, traitent ceci de Thanksgiving. Alors, je me retourne du côté Frère Clavel, il me semble que tu as quelque chose à ajouter. Selon les règles de bienséance, un bienfait est toujours remercié. Et dans le cadre spirituel, je crois que
une fête d'action de grâce est la bienvenue pour remercier l'Éternel notre Dieu. D'abord, pour nous avoir prêté son souffle de vie. Parce que si nous parlons, ça veut dire que nous vivons. Et si nous vivons, nous devons remercier l'Éternel. Ici, il y a beaucoup de raisons qui font que nous magnifions l'Éternel, notre Dieu, par une fête solennelle, s'il vous plaît, d'action de grâce, pour tous ses bienfaits. Et des bienfaits qui ne nous sont pas attribués parce que nous sommes des humains, mais c'est parce que nous appartenons bien à ce Dieu-là et qui a bien voulu que nous ayons ce bonheur pour lequel nous le magnifions par cette fête d'action de grâce. Merci, le frère Claver. J'ai la nette impression que Kitemo Alain veut parler. Bien, merci, monsieur le journaliste. Je crois que je serai sur la même ligne que les autres. Oui. Parce que vous savez, s'il faut aller dans la vie courante, vous êtes employé dans une société et que vous recevez une promotion de la part de votre directeur, je crois que vous ne serez pas insensible de dire merci à votre directeur. C'est vrai, ici, ce n'est pas le directeur, ce n'est pas l'employé qui fait que le directeur lui octroie une promotion. Mais par rapport à la conduite du travailleur, par rapport à la conduite de l'ensemble des travailleurs, le directeur peut être censé programmer une fête en l'honneur de ses travailleurs. C'est ce que l'Éternel Dieu fait au sein de l'association des lois moraux PH, non pas seulement, mais aussi bien à travers le monde entier. Donc, l'Éternel Dieu a bien voulu, en fait, léguer quelque chose, donner quelque chose à ses enfants. Et par rapport à ce qu'il donne à ses enfants, il s'est dit, il faudrait que j'institue une fête d'action de grâce afin que je sois glorifié, afin que je sois magnifié sur tous les plans pour créer en fait un courant de joie, d'allégresse à travers le peuple. Donc nous disons que Guy-Émile Lufoa Sitikwabo a décrété cette fête parce que Dieu nous a donné quelque chose. Alors, c'est quoi donc que Dieu nous a donné? Ce que l'Éternel a donné à l'ensemble des personnes dont le corps est irrigué par le sang de couleur rouge, c'est ce que nous choisissons d'appeler des richesses. Alors, des richesses, s'il vous plaît. Des richesses qui, plusieurs années avant, étaient attendues par ceux qui ont vécu les périodes d'avant, je veux dire la génération patriarcale, par exemple, après la génération prophétique, la génération messianique, qui ont attendu de bénéficier de ces privilèges, hélas, n'en ont pas eu. Mais, à l'orée du troisième millénaire, voici que l'Éternel permet que les contemporains du troisième millénaire, notamment les contemporains du troisième millénaire, bénéficient donc de ces avantages. Alors, quelles sont ces richesses? Parmi celles-là, il y a la lumière de l'Éternel, la vie éternelle. Et parmi celles-là, il y a la paix. En tout cas, c'est des richesses si grandes que beaucoup de personnes attendaient de les recevoir, mais n'ont pas gagné, n'ont pas bénéficié. Bien, tout juste parce que lorsque l'Éternel sélectionne ce qu'il veut sélectionner, et il fait tout dans le temps, et quand il fait tout dans le temps, effectivement, il ne peut pas anticiper ceci ou cela, ou peut-être parce qu'il a bénéficié d'une pression de telle ou telle autre nature, d'une pression de telle ou telle autre personne, et que l'Éternel agisse par rapport à la pression. Non, au contraire, tout est ordonné du point de vue de la façon de faire de l'Éternel. Et sur le journaliste, veuillez m'excuser, je voulais juste faire ajouter quelque chose à propos de ce que vient de dire mon frère Ngoubili. C'est vrai, nous avons reçu ces différents privilèges, comme venait de le souligner Papa Claver. En fait, c'est d'une façon imméritée.
Dieu n'a pas besoin d'un principe humain pour accomplir son plan de salut. Voyez, le frère Ngoubli vient de dire que c'est des choses que Dieu avait déjà prédestinées qu'il devait donner donc à son peuple. Mais il attendait le temps. Le temps, c'est maintenant. Maintenant, c'est aujourd'hui. Alors, lorsque nous prenons l'exemple de la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 7, le verset 14, il est écrit qu'un enfant devait venir, non? Mais il fallait attendre 7 siècles après pour que Jésus-Christ vienne. Et pourtant, Ésaïe avait prophétisé. Dieu avait bien établi son plan. Mais à quand le peuple, le monde, devait bénéficier de ce don précieux venant de l'éternel Dieu, qui est donc le Seigneur Jésus? Donc, il fallait attendre ce temps-là. Et aujourd'hui, le temps est arrivé. Donc, tout ce que nos aïeux attendaient, voulaient recevoir, n'ont pas eu ce privilège. Nous en sommes donc les bénéficiaires de tous ces privilèges, de toutes ces richesses que le frère Ngoubili venait d'énumérer tout à l'heure. Cher prédicateur, mais il y a un auditeur qui a réagi ici tout à l'heure en suivant Ngoubili. Il est dans l'anonymat, il dit que, écoutez, Dieu a donné des richesses à l'humanité, mais l'humanité n'est pas au courant de ces richesses. Comment vous expliquez cela? Si l'humanité n'est pas au courant, certainement c'est une question d'information. Parce que ce qui se fait, ce qui se dit, ce que nous sommes en train de dire, relève d'une série d'informations. Et ces informations sont données par rapport à un canal. Et ce canal ne peut pas être un canal fantaisiste. C'est nécessairement une personne qui fait partie de, d'abord, de la famille divine. Ensuite, c'est une personne avertie. Il n'est pas possible que ce soit des informations fantaisistes qu'on devait diffuser sur les médias, des informations, des trouvailles fantaisistes qu'on allait diffuser juste pour divertir la galerie. Non, bien au contraire. Il s'agit des informations qui nous sont données par le canal, peut-être pas seulement de la personne avertie, mais encore et surtout, le canal, c'est la personne qui a la connaissance parfaite. C'est-à-dire, on voulait parler de l'omniscient. L'homme qui a la connaissance parfaite et du passé, et du présent, et de l'avenir. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que Papa Guy Émile Loufoy Sétikobo qui réunit donc le critère ou la qualité de l'omniscience. C'est-à-dire, Papa Guy Émile Loufoy Sétikobo lui-même ne peut jamais être compris ou dans le temps ou dans l'espace. Il est bien au-dessus de cela. Il est illimité. Cela veut dire qu'il connaît. Il connaît tout ce qu'il y a du passé. Il connaît tout ce qu'il y a du présent. Il connaît tout ce qui est de l'avenir aussi. Et quand il donne une information, c'est avec une précision, même pas mathématique, à une précision qu'on ne décrirait même pas, hélas. Voilà, c'est la source grâce à laquelle nous avons ces informations. Alors, qui nous donne ces informations, s'il vous plaît? C'est Papa Guy Émile Loufoy Sétikobo. Et quand il nous donne ces informations, je ne vois pas qui peut se mettre debout pour contester. D'autant plus que ces informations qu'il nous donne, il les puise correctement à la source de la connaissance parfaite et effective de tout. Non, on ne ferait certainement pas quelqu'un se mettre debout pour dire non, écoutez, il y a un peu de fantaisie là-dedans. Non. Qui dit mieux? Je ne vois pas qui dit mieux que ce que c'est dire Guy Émile Loufoy Sétikobo en tant que c'est l'éternel, en tant qu'il est omniscient, en tant qu'il a la connaissance parfaite de la réalité céleste tout comme de la réalité terrestre. Tout ce qui se passe dans le Zolo, le monde entier est comme sous-informé. Oui. Non. Regardez, avant que Dieu ne décide le déluge, le monde était bien informé du message que Noé avait livré aux gens. Et le peuple entier, le monde entier était bien au courant de la construction de l'arche par Noé. Mais sinon, pourquoi Noé était devenu la risée des moqueurs? Parce qu'il y avait un message qui a circulé à travers le monde entier. Lorsque Jésus-Christ est né, le monde entier était bien informé que Jésus-Christ est venu au monde. C'est vrai,
Il y avait de ceux qui n'étaient pas informés, mais la grande partie de la population terrestre était informée à 90%. Donc aujourd'hui, si l'on dit que le monde entier n'est pas informé, ce serait faire semblant de l'information. Sinon, une négligence, une léthargie pour accepter le message de Guillaume Fouassé Kouabo au moment où la technologie prend une ampleur aussi importante que personne ne peut oublier ce que Guillaume Fouassé Kouabo est tenté de vulgariser à travers le monde. Le monde est bien informé. Sinon, je vous prends un exemple. Lorsqu'on parle de l'arrivée, du déplacement de l'étoile de David qui part du Moyen-Orient vers l'Afrique, on va faire recours à, au scientifique Abdul Chine. Depuis 1921, ce chercheur a écrit au sujet de la lumière. Et aujourd'hui, ça nous fait près d'un siècle. Croyez-vous que le monde n'est pas informé de ça? C'est juste la négligence de l'information. Surtout que la Bible nous dit qu'un prophète n'est jamais reçu dans sa propre patrie. À plus forte raison, son message. Merci Alain Kitemo. Je vais me retourner du côté du frère Claver qui a quelque chose certainement à ajouter. Tout à l'heure, on a dit que le message a été déjà livré et le monde entier fait semblant. Je crois aussi qu'il y a la distraction. Il y a aussi la distraction parce que une information se cherche. Si vous plantez un manguier, vous l'avez planté pour tout le monde. Mais pour recueillir les fruits, il faut un effort quand même pour aller cueillir ce fruit. Le téléspectateur a dit qu'il y a des privilèges qui ont été donnés à l'humanité, ou des richesses qui ont été données à l'humanité tout entière, mais eux ne les voient pas. Non, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Ils n'ont pas l'information. Absolument, ils n'ont pas l'information. Dieu a fait une action envers l'humanité. Voilà, ils n'ont pas l'information. C'est celui qui a besoin de la mangue qui va vers le manguier pour cueillir le fruit. Donc, les gens sont dans la distraction. Ils ont certainement fermé les oreilles à ce qui se dit. Voilà pourquoi, s'ils ne font pas un effort, en tout cas, je crois que beaucoup d'entre eux resteront comme ça, sans pour autant bénéficier de ce dont nous parlons aujourd'hui. Merci le frère Claver. Dieu a accordé à l'humanité ses privilèges. Nous allons donc faire un tour du côté de la baie vitrée pour suivre la voix de Guy-Aimé Loufois Sitikwabo. Ah, mes très, 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 très chers aimés et respectés, les gros, 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 gros du gros chef, le grand, grand, grand du grand chef, les gros calacas du monde entier, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder
ses principes et lui rendre gloire. Sinon, le tout nous a été accordé. Le tout nous a été accordé. Beto bonso butuizi dia fulu kiaki. Beto bonso tusi kafumu. Bungu yandi we na fumu atulendo twato. Tata nzambi watuzola. Beto bonso butuizi dia fulu kiaki. Beto bonso tusi kafumu. Bungu yandi we na fumu atulendo twato. Tata nzambi watuzola. Kiese. Beto bonso tusi kafumu. Kiese. Beto bonso tuyangalala. Kiese. Beto bonso tusi kafumu. Kiese. Beto bonso tuyangalala. Voilà mes très chers aimés et respectés du monde entier, mes gros chefs, mes gros kalaka. Le petit message que je tenais, ou le petit message que j'avais de vous donner en cette grande première et terrible fête d'action de grâce et de reconnaissance à notre Dieu qui nous a tout accordé, tout donné. Nous, les hommes de la terre, du monde entier, acclamons glorifions notre Dieu qui nous a tant aimé depuis la création. Qui est-ce? Beto bonso tusi kafumu. Qui est-ce? Beto bonso tuyangalala. Beto bonso butuizi dia fulu kiaki. Beto bonso tusi kafumu. Bungu yandi we na fumu atulendo twato. Tata nzambi watuzola. Kiese. Beto bonso tusi kafumu. Kiese. Beto bonso tuyangalala. Revenons dans notre studio. Nous venons de suivre Guy Émile Loufoy Sétikwabo qui nous a livré un message. Alors, cher prédicateur, nous l'avons suivi, mais il n'a pas parlé en français. Qu'a-t-il dit? Le cantique que le grand maître de l'OPH, papa Guy Émile Loufoy Sétikwabo, a exécuté, peut être traduit à peu près comme ceci. Nous tous qui sommes rassemblés ici, célébrons, acclamons le Seigneur parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui nous aime. Et au refrain, manifestons la joie. Ça, qui... c'est la chanson à l'introduction. Voilà. La chanson d'introduction, c'est la traduction donc de la chanson que vous venez d'écouter. Oui. Bien. Et maintenant, dans cette chanson, le grand maître de l'OPH nous invite donc à acclamer le Seigneur. Il nous invite à glorifier, à louer la toute-puissance
de l'Éternel, son amour infini pour la créature humaine. Voilà ce qu'il est possible de dire, en tout cas en un si peu de temps. Or, l'occasion qu'il nous donne pour glorifier, pour magnifier, pour manifester notre joie, l'occasion qu'il nous donne donc, c'est le fait d'avoir donc toutes ces richesses. Et parmi ces richesses, nous avons par exemple la lumière. Quand il nous informe lui-même, il nous dit que cette lumière est issue du Moyen-Orient, d'où cette lumière a accompagné les mages, notamment Melchior, Balthazar et Gaspard, donc les rois mages. Cette lumière a donc guidé les mages jusqu'à l'endroit où était né l'enfant Jésus. C'est cette étoile donc qui est partie du Moyen-Orient, où cette étoile était suspendue, arrive cette fois-ci au Congo-Brazza, un petit village Kibosi. Cette fois-ci ne reste pas suspendue, mais cette étoile atterrit purement et simplement. Alors, petit témoignage cité par un frère la dernière fois au niveau de la sous-section, c'est dit, il était 1995, il est parti de l'endroit où il devait servir, il s'est rendu donc à Kibosi, et à son retour, il dit, je suis allé glorifier l'Éternel à l'occasion de la cérémonie d'implantation définitive de sa lumière au petit village à quelques kilomètres de Brazzaville. S'il vous plaît, tous ses amis de service sont partis d'un éclat de rire. Et tous ses amis de service se sont moqués copieusement de lui. Il dit, comment? Vous? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Une étoile qui part du Moyen-Orient et puis s'implante au Congo. Mais quoi? Vous avez une abeille dans le bonnet? Ou bien qu'est-ce qu'il y a? Il s'est dit, bon. Et la nuit même, lorsqu'un des chefs parmi ceux-là à qui il avait donné l'information, lorsque celui-là est arrivé à la maison, il a tourné le bouton de sa télé à la chaîne TV5 Monde. Il était surpris que les journalistes disent que l'étoile qui est partie du Moyen-Orient a atterri dans un petit village au sud de Brazzaville, en République du Congo. Allons comprendre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en vérité, le chef qui a pris connaissance de l'information, une fois qu'il est revenu le jour suivant, s'est dit, s'il vous plaît, arrêtons de nous moquer des convictions des uns et des autres. Parce que ce que nous a dit notre collaborateur hier, je l'ai suivi à la télé, TV5 Monde. Par conséquent, c'est une information vraie, c'est une information juste. Et nous nous sommes moqués de notre collègue qui nous a donné l'information hier. Mais maintenant, j'ai suivi moi-même. Les journalistes ne peuvent pas s'amuser à rendre public des informations de cette valeur. Et puis sur les médias, des informations sont diffusées sur le monde. S'il vous plaît, non, cela veut dire que c'est une information très sérieuse, une information bien valable. Alors, quand le grand maître de loupage nous dit que cette information est issue du Moyen-Orient, et une fois que cette étoile est partie du Moyen-Orient, atterrit au Mont Karikari, s'il vous plaît, c'est seulement une autre façon de dire que le Mont Karikari, qui est cet endroit où les gens venaient faire des échanges charnels, j'allais dire, désormais, les échanges qui se font n'ont plus un caractère charnel, au contraire, c'est le contact que nous établissons entre l'Éternel et nous, de façon qu'on échange tout ce qui est essentiellement spirituel. De façon que, lorsque nous considérons la 33e déclaration de l'Éternel, Papa Guillaume, le fossé de Kwabo, bien on nous dit que c'est qu'à cet endroit, les hommes vont désormais aller, tous les hommes qui transportent du sang de couleur rouge vont désormais y aller, et une fois qu'ils vont y arriver, eh bien, ils vont prendre tout ce qu'ils voudront. Ils vont prendre tout ce dont ils ont besoin. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas acheter. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Cela veut dire qu'il y a tout pour tout le monde, tout pour tout
Ces hommes dont le corps est irrigué du sang. Donc, c'est valable pour tout le monde, pour toutes les créatures humaines. En d'autres termes, le mont Karikari, qui était ce lieu d'échange charnel, devient la demeure de l'Éternel. Le mont Karikari devient la nouvelle Jérusalem descendue des cieux, quand nous considérons Apocalypse 22, de 1 à 3. S'il a lieu de dire quelque chose pour que les frères ajoutent des détails, ce serait une bonne chose aussi. Merci. Merci Ngoubili, toi qui nous as parlé de la lumière. Alors, est-ce que l'on peut savoir, peut connaître, puisque tu nous as parlé de la venue et de l'implantation de la lumière qui s'est implantée au sud de Brazzaville dans un petit village appelé Kibosi. Est-ce qu'on peut connaître l'importance de cette lumière? Cette lumière a effectivement un caractère multidimensionnel. Il y a le positif et le négatif. C'est-à-dire? Le positif, Papa Ngoubili venait de le dire, que désormais, Karikari devient la demeure éternelle de notre Dieu et que toute âme est censée venir se rafraîchir. Cette lumière est aussi venue, en fait, briser le joug de Satan. Parce que l'homme, après la mort de Jésus-Christ, a erré. Il a marché sans guide. Il a marché, disons, sans Dieu, entre guillemets. Donc, il était question que Dieu, par rapport à la situation que vivait le peuple, donc sa créature, qu'il revienne au pays d'origine. Donc, briser tout ce que Satan avait érigé comme piège, etc., pour que désormais le peuple vive dans la quiétude. Et cette étoile également apporte non pas seulement le bonheur des humains, mais aussi des bouleversements de tout genre. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. En fait, c'est suite au déplacement de cette étoile. C'est suite à l'implantation de cette étoile. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, cette étoile apporte un peu de tout, le positif et le négatif. Elle vient éclairer l'humanité tout entière, pour que l'humanité vive dans le bonheur, dans la félicité éternelle. Merci le frère Kitemo. Un deuxième message d'un auditeur qui nous pose la question suivante. Il a suivi le message de Guy Aimé Loufoua Sitikwabo et il dit ceci: est-ce que à Luzolo tout le monde est chef? Bien, merci monsieur le journaliste. Parce qu'il a suivi la gros chef, gros chef, est-ce que tout le monde à Luzolo est chef? Ben effectivement, papa Guy Aimé Loufoua Sitikwabo ne divertit pas les gens, il n'amuse pas la galerie. Lorsque on est acquis à Dieu, on devient chef. Parce que tous ceux qui sont à Dieu aspirent la volonté divine. On devient membre du corps de Christ. Si le Christ lui-même est la tête, nous sommes des membres. Et des membres responsables. Sinon, Guy Emile n'allait pas prendre la peine de dire à mes gros chefs, gros kalaka, il connaît l'importance de ceux qui sont derrière lui. Il connaît ce qu'il a donner spirituellement à ses fidèles. Donc, tout le monde est chef à Luzolo. La chefferie, ce n'est pas sur le plan administratif, mais c'est sur le plan spirituel, parce que nous portons le germe divin. C'est ça. Donc, tout le monde est chef à Luzolo, grand comme petit. Vous voyez, un enfant qui naît, ou alors est encore fœtus, qui est membre confirmé, membre de l'OPH, il est déjà chef. Et dès que l'enfant vient au monde, il garde ses attributs de chefferie. Il est chef jusqu'à la fin de sa vie. Donc tout le monde à Luzolo est chef, à condition d'être obéissant aux objectifs, aux principes, aux recommandations de Guy Emile Loufoua Sitikwabo pour garder en fait cet attribut. Sinon, Dieu n'a pas besoin de chef bidon. J'aurais voulu. Oui. Je n'apporte pas là la contradiction. Non. Oui. Plutôt, je vais. Essayer de réajuster les choses. La chefferie dont il est question, ce n'est pas comme... De toute façon, Christ dit, je m'en vais, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix,
Je ne vous la laisse pas comme les hommes la donnent. Mais dis, je vous laisse ma paix. Ici, chefferie, ce n'est pas dans le sens humain du terme. Parce que, normalement, chefferie voulait dire tout simplement responsable. Vous êtes responsable. Parce que quand vous êtes responsable, vous êtes là pour servir. Ce n'est pas pour se servir. Or, que les chefs du monde font quoi? Ils se servent. Et on les sert. Moi, je suis président adjoint d'une section d'arrondissement. C'est moi qui peux faire, des fois, aller chercher des instruments. Je travaille. Je sers. Mais il y a des frères et des sœurs qui dorment tranquillement dans leur maison. Je suis responsable. Parce que si une fête ne se fait pas, une séance ne se fait pas, si je n'ai pas bougé, le responsable n'a pas fait son travail. Et il est responsable de ce fiasco. C'est ça, la chefferie dont parle Guy-Émile Fassé-Tikwabo. Parce que lui-même, il n'a pas hésité à prendre une brouette avec du café pour emmener du café dans une terre sablonneuse jusqu'à la gare pour satisfaire les frères et sœurs. Et pourtant, c'est le premier des chefs. Donc, la chefferie dont on parle ici, c'est la responsabilité. Celui qui doit servir les autres. Je me retourne du côté de Ngobili. Alors. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. La connotation du concept de chef ici, en fait, c'est la chose que cet auditeur avait raison d'interpréter à sa façon. Oui. Peut-être. Mais c'est à sa façon. Cependant, la façon de comprendre le papa Guy-Émile Fassé-Tikwabo, il serait bien de comprendre ceci sur deux plans, ou peut-être trois. Dans ce sens que le chef, la personne qui vient au monde, a déjà, avant même de bénéficier du pouvoir comme le décrit le frère Alain Kitemo, va bénéficier des pouvoirs, par exemple, parce que c'est un membre confirmé de l'OPH, avant d'arriver à ce stade-là. La personne d'abord est extrêmement chère aux yeux de papa Guy-Émile Fassé-Tikwabo. Toute personne est chère à ses yeux. Est-ce que, en ce moment-là, il ne se réfère pas à ce qu'il avait eu la possibilité de dire « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Si la réalité est celle-là, c'est effectivement, il a vraiment souffert pour créer l'homme. Regardez un peu, qu'est-ce que la personne est complexe. Pendant que les yeux regardent, le cerveau ne s'empêche pas de réfléchir. Pendant que les narines inspirent et expirent l'air de cet autre côté, le cœur ne s'empêche pas de battre, les boyaux ne s'empêchent pas de faire le travail de cet autre côté, et ainsi de suite. Voyez, qu'est-ce que l'homme est complexe. Est-ce que ce n'est peut-être pas par rapport à cela que lui, il avait vraiment souffert pour créer l'homme, auquel cas il lui porte du prix. Et quand il lui porte du prix, l'homme est cher devant Guy-Émile le Fassé-Tikwabo, au point où les personnes qui s'amusent même à créer des situations pour arriver au stade de l'avortement, par exemple, mais c'est combattu. Ce fait est combattu. Tel que, c'est une façon déjà de... Mais même quand la grossesse n'a qu'une semaine, et que vous commettez la maladresse de faire, de provoquer un avortement, d'empêcher donc l'évolution de ce fœtus automatiquement, vous donnez la mort à une personne, comme Alain Kitemo, s'il vous plaît. Voyez, allez comprendre. C'est une autre façon de dire que la personne humaine est très, très, très chère devant papa Guy-Émile le foie, c'est du quoi bon. Ensuite, la perspective que cite Alain Kitemo, c'est que la personne qui sert l'Éternel a de la valeur. Ne venons pas, s'il vous plaît, nous servir de l'Éternel. Bien au contraire,
servons l'Éternel, on le sert, mais on ne se sert pas de l'Éternel pour atteindre des buts inavoués, mais bien au contraire, on sert l'Éternel, parce que de cette façon-là, c'est le livre de Luc qui nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà ce qu'il a voulu d'ajouter. Monsieur le journaliste, oui, toujours dans cet élan, oui. La Bible nous dit quelque chose à propos. Disons, lorsque Jésus-Christ donne une mission à ses apôtres et il leur laisse le champ libre, et les disciples se discutaient entre eux qui était le plus grand. Vous voyez ? Et quand Jésus-Christ arrive, ils sont qui de la situation ? Il dit, mais vous discutez à propos de quoi ? De la grandeur, de l'esprit ou de, je sais pas, de responsabilité ? Mais Jésus-Christ leur dit quoi ? C'est celui qui fait ma volonté qui est le plus grand. Dans ce même élan, c'est celui qui sert, en fait, qui devient chef. En fait, la chefferie ici, c'est se sentir égal à l'autre. Considérer l'autre comme soi-même. Alors, question de nous faire respirer un tout petit peu. Nous allons faire donc un tour du côté de la baie vitrée. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et qui sont
Merci la régie. Nous revenons donc dans notre studio où nous sommes en train de faire notre tribune qui est prélude à la fête d'Action de Grâce. Tout à l'heure, avant de se reposer, nous parlons de la lumière. Le frère Ngoubli nous a parlé de la lumière. Alors, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut nous parler maintenant de la vie éternelle? Qu'en est-il? Après la création, quand l'Éternel a mis l'homme, Adam, et la femme, Ève, au jardin d'Éden, en tout cas, il a créé et à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire qu'en fait, il devait vivre éternellement. Il n'allait pas mourir. Hélas, quand l'homme a obéi à l'influence négative de Satan, eh bien, à partir de cet instant, l'Éternel a retiré donc cette immortalité, en quelque sorte, de façon que désormais, pour cette raison de désobéissance, voilà que l'homme devait mourir parmi toutes les sanctions. Et un effort très important a été fait par l'Éternel d'envoyer les prophètes, d'envoyer les hommes de Dieu afin d'essayer de rattraper les hommes suivant les temps. Hélas, l'effort était vain. Il fallait même que le Christ Jésus vienne pour réconcilier le genre humain avec Dieu. Hélas, cet effort était vain. Cela veut dire que cette vie éternelle étant retirée, elle était retirée une fois pour toutes. Mais il fallait cependant attendre que sonne l'orée du troisième millénaire pour que l'Éternel accorde donc cette vie éternelle. Notamment, le 12 mars 1996 à 2h35. C'est donc cette fois-là où la vie éternelle est retournée à l'ensemble des personnes de ce troisième millénaire. C'est aussi une richesse. Et quand nous avons la possibilité de lire dans Ecclésiaste 3, verset 11, s'il vous plaît, on nous parle vraiment de l'éternité, s'il vous plaît. Voilà, parce que c'est tout le temps que nous lisons dans Genèse 3, on nous parle de la chute. Comment donc nous sommes tombés, nous les hommes sommes tombés, et enfin, maintenant, c'est en quelque sorte le relèvement, dans ce sens que la vie éternelle est accordée maintenant avec le commencement du troisième millénaire. Voilà ce qu'il a lieu de dire sommairement. Je me retourne du côté de Frère Claver. Je dirais qu'il a quelque chose à dire. Oui, immanquablement. Je crois que la vie éternelle, c'est même la présence de qui est mis le fossé de Kouaou, qui est un don précieux pour l'humanité. Parce que je disais tout à l'heure que les gens sont dans la distraction. Cette manière pour eux de dire que nous ne voyons pas les privilèges, c'est tout simplement ce qui c'est les bouches qu'il annonce ces vérités qu'il néglige. Voilà pourquoi je disais que l'homme doit faire un effort pour aller vers le manguier et pour en avoir le fruit. Parce que la vie éternelle, c'est croire en Guillaume le Fossetikwabo, en définitive. On pourra philosopher, mais en définitive, c'est ça. C'est ça, Guillaume le Fossetikwabo, c'est la vie éternelle. Bien, lorsque vous dites que Guy Emile Foua Sichukwabo, c'est la vie éternelle, est-ce par rapport à son nom? Vous savez, pour lire un livre, il faut d'abord commencer par la préface. Et c'est la préface qui vous donne un aperçu de ce que vous trouverez à l'intérieur du livre.
Effectivement, Guy Émile Lufoa Sitikwabo, dans une langue du Congo, même des deux Congos, mais ça va de soi. La mort arrête-toi. Et quand la mort s'arrête, je crois que on n'est pas obligé de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est la vie éternelle qui s'installe. Merci, monsieur le journaliste. Merci, frère Clavet. Alors, Alain Guitemo avait quelque chose à dire. Merci, monsieur le journaliste. Je vais d'abord dégager ici un fait. Dans son parcours, Guy Émile Lufoa Sitikwabo, dans les années 1969, il priait à l'église salutiste. D'où, après qu'il ait quitté l'église salutiste, avec l'inspiration de vouloir propager la parole de Dieu, il dit « Je suis salutiste, je mourrai salutiste ». En fait, c'est une philosophie que le monde n'arrive pas à analyser. Parce qu'il a prié à l'église de l'armée de salut et il dit « Je suis salutiste, je resterai salutiste ». Or, lorsqu'on voit ce que papa Jean Claver Mavungu venait de dire, ça corrobore effectivement avec ce que Guy Émile Lufoa Sitikwabo a fait. Donc, si on peut se poser la question de savoir comment appelle-t-on celui qui donne le salut, on dira qu'il est salutiste. C'est dans ce sens que Guy Émile Lufoa Sitikwabo dit « Je suis salutiste, je mourrai salutiste ». Donc, ici, Guy Émile Lufoa Sitikwabo, c'est effectivement la vie éternelle. Mais lorsqu'il accorde la vie éternelle à l'humanité, c'est pour que l'homme vive cette éternité. Pourquoi l'homme devra vivre l'éternité? Le frère Ngoubi l'a dit tout à l'heure. Suite à la désobéissance d'Adam et Ève, donc ce privilège leur avait été retiré. C'est ce privilège-là que nos aïeux, Abraham, Isaac, Jacob, etc., attendaient à leur temps, mais que Dieu n'avait pas accordé. C'est ce que nous avons dit. Dieu agit avec le temps. Le temps n'était pas arrivé pour que Dieu accordasse la parole à cette génération. Donc ici, le corps d'éternité que l'homme doit vivre, en fait, c'est le corps qu'avaient Adam et Ève au commencement de toute chose. Regardez, lorsque vous lisez Jean 20, vous allez constater que au verset 26, verset 29, après la résurrection de Jésus, Jésus a désormais un corps de gloire. Mais ce corps de gloire ne lui a pas interdit de se présenter devant ses disciples, devant ses apôtres. Et Thomas, pris par l'évidence, il dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Or, on ne peut pas voir Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, possède déjà le corps de gloire. Donc, c'est ce corps-là que Dieu va octroyer à l'homme le dernier jour. Et c'est ce qui fera qu'il vive avec ce corps éternellement. Donc, c'est un corps de gloire. C'est cette éternité que Guy Émile vient accorder à l'homme. Ne voyons pas cette éternité sur le plan physique seulement. Voilà, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Merci, Oingo Billy. Oui, cette éternité, la confirmation nous est donnée dans la Bible, avec, lorsque nous prenons le soin de lire dans Ésaïe 65, à partir du verset 19. « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Voyez, monsieur le journaliste, à 100 ans, vous êtes encore correctement solide, vous êtes jeune. Et maintenant, le reste du temps, bon,
au-delà de 100 ans. Vous allez vivre votre vie avec toute la joie qui s'impose. Et quand la prédiction est faite comme ceci, par Esaïe, ceci revient aussi à dire que nous n'allons pas vivre une vie en désordre pour mériter de gagner ces privilèges. Bien au contraire, la promesse ici est faite telle que le tout va s'accompagner de la pratique importante du sens et la valeur de l'effort personnel pour être en harmonie avec les principes qui régissent le code de la vie de tous les jours. Une fois qu'on est en harmonie avec les règles de cette vie, mais mon vieux, on vivra longtemps, bien plus longtemps encore, et on ne sera jamais dérangé. Mais au contraire, si seulement on prend le contre-pied de toutes ces indications-ci, même 100 ans, mon vieux, et on nous le dit ici, alors, au contraire, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Voilà, c'est tout à fait le contre-pied. Merci, monsieur le journaliste. Merci, Ngoumili. Quand nous lisons la Bible, mais nos aïeux ont vécu au-delà de 100 ans. Voilà. Merci, poursuivons notre tribune. Les privilèges, on en a évoqué ici 3. Alors, la paix. Qu'en est-il de la paix? La paix, c'est un état de concorde. Un état, bon, pour les humains, on dira que c'est un état de non-guerre. La paix, il faut la mériter. Il faut la rechercher. Parce que la paix est donnée à tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui va en bénéficier. Pourquoi? Je disais tout à l'heure que beaucoup de gens, la question qui nous a été posée dès le départ, je crois que suit son cours. Parmi ceux qui disent que des richesses ont été données au monde, mais le monde ne le voit pas. Oui, mais c'est le monde. C'est le monde. Puisqu'on dit cela qu'il faut être agréé. Voilà pourquoi nous avons intérêt à nous tourner vers ce Dieu-là pour que cette paix nous serve. Voilà ce que je peux dire à ce propos. Merci. Alors, Alain Guitem. Merci. Je crois que Papa Claver a... Il a tout dit. A pratiquement tout dit, mais qu'est-ce qu'il faut dire à propos de la paix? Nous avons dit tout au départ que Adam et Ève vivaient dans le jardin. Le but essentiel pour Dieu à sa créature était que l'homme vive éternellement, qu'il soit en paix, qu'il soit dans la tranquillité, en fait, qu'il soit heureux. Mais c'est suite à cette désobéissance que Dieu donc a aussi retiré la paix, parce que au départ, Dieu marchait avec Adam et Ève. C'est après la scission que Dieu s'est retiré de ce couple. Donc, lorsque Dieu a retiré ce privilège à ce couple, nous avons dit que Dieu, le monde a marché sans Dieu. Donc le monde n'a pas eu de paix véritable. Et si nous faisons la lecture de la Bible tout au départ, de la Genèse jusqu'au Apocalypse, vous voyez que c'est l'histoire de la Bible est renfermée des guerres, des conflits, de l'adversité, etc. Donc, le grand maître de l'OPH donc, vient accorder cette paix à l'humanité pour que l'homme ou alors l'humanité redore le blason d'antan. Là où il avait bien voulu destiner l'homme à vivre dans la quiétude. Voilà pourquoi le grand maître dit « Suis bien mon âme, jamais tu ne te paîtras. » Donc lui-même, Guy-Émile, pose la question pour savoir quelle est la richesse de ce monde qui dépasse la paix que Dieu a accordée. Si c'est une richesse, le monde ne peut peut-être pas être capable de répondre, de donner une réponse qui serait plus que la richesse que Dieu accorde à l'humanité, la paix, la vie éternelle ou la lumière que le monde reçoit.
Donc, la paix ici, c'est ce que l'homme veut. S'il n'y a pas la paix, rien ne peut se faire aussi. Que ça soit tant du plan spirituel que sur le plan humain. Dieu a accordé la paix, mais nous avons l'impression que le monde n'a pas la paix, parce qu'il y a encore la guerre, il y a les catastrophes, il y a tout ce que vous connaissez, les maladies. Mais où est donc cette paix-là? Ben oui, mais ça c'est d'une façon passagère. Il faudrait que l'homme revienne au carrefour. Il faudrait que l'homme reconnaisse le point de départ. Où est-ce que l'homme a failli pour qu'il se réconcilie avec son Dieu, qu'il se réconcilie avec son prochain? C'est à ce niveau seulement que la paix va s'installer définitivement dans les cœurs des hommes sur la terre. Voyez. Donc, qu'il y ait des guerres, des disettes, etc., ça c'est passager. En fait, la Bible nous dit que Dieu punit l'homme, Dieu frappe l'homme, Dieu donne la maladie à l'homme, ainsi de suite. Donc, tant que l'homme ne sera pas obéissant à Dieu, il n'aura pas une paix stable. La paix sera accordée à ceux qui auront accepté servir Dieu en esprit et en vérité, en respectant ses principes, ses commandements et ses ordonnances. C'est ceux-là qui vont vivre la paix. Regardez, dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, la Bible nous fait comprendre que ces choses qui se passent actuellement sont réservées à ceux qu'il a choisis, lui Dieu. Donc les hommes qu'il a choisis vont vivre ce que Dieu leur a réservé. Mais ceux qui n'ont pas accepté Dieu, ceux qui ne sont pas choisis, ne vivront rien de l'éternel Dieu. Donc ce que l'œil n'a jamais vu, les choisis verront ces choses-là. Ce que l'oreille n'a jamais entendu, les choisis entendront ces choses nouvelles et ils les accepteront. Voilà, en d'autres termes, ce qu'on pouvait répondre à propos. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Nous allons un peu reculer dans le temps. Oui. Lorsque Adam et Ève désobéissent au jardin d'Éden, et il se passe quoi? Dis, mais Adam, comment es-tu conscient que vous ne portez pas d'habit? Dis, non, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que qui a donnée? La femme que l'Éternel a donnée à qui? À lui, Adam. S'il vous plaît. Adam n'est pas prêt à se reconnaître coupable d'avoir fait comme l'Éternel ne l'avait pas indiqué. En ce moment-là, s'il vous plaît, est-ce qu'il a une paix? Non. Non. Quand il manque de paix, quand il révèle la culpabilité comme cela, automatiquement, non seulement il manque de paix, mais encore et surtout, il amorce comme le processus jusqu'à maintenant. Nous sommes nombreux qui ne nous reconnaissons pas souvent dans les fautes que nous commettons. Où est la paix? Et de cette façon, le grand maître de l'OPH ne s'empêche donc pas de tirer la conclusion que les méchants n'ont jamais de paix véritable. Nous n'aurons jamais de paix véritable, aussi vrai que nous n'allons pas nous donner la peine de nous reconnaître dans nos fautes et ensuite chercher à nous humilier d'abord, ensuite nous réconcilier avec l'Éternel. Maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous n'avons pas appris? Quand le Christ Jésus est arrivé, il était question qu'il nous réconcilie avec Dieu, avec l'Éternel. Maintenant, nous, comment nous l'avons traité? Quelle couleur était donc la couleur de notre paix en ce moment-là? Quand nous étions conscients qu'en fait, devant nous, on avait Dieu. Et on l'a traité comme nous l'avons traité. On lui donne une mort que normalement lui il ne méritait pas. On lui donne cette mort-là. Nous avions quelle paix. De plus en plus même quand nous vivons notre vie de tous les jours. S'il vous plaît, observons-nous. Quand il arrive que nous avons donné au monde, l'enfant qui est venu au monde ne trouve pas vite le boulot. Souvent c'est notre préoccupation cardinale. Est-ce que nous avons la paix? Non. Quelquefois, quand nous n'avons pas donné au monde, nous n'avons pas donné au monde, et voilà donc que, devant l'Éternel, à un moment donné, même l'élan de prière baisse, s'il vous plaît, parce que l'Éternel ne m'a pas donné ce que je suis en train d'attendre. Et en ce moment-là, est-ce que nous avons la paix? Nous n'avons pas la paix, s'il vous plaît. De plus, dans le même ordre,
J'ai même commencé à travailler, mais le premier salaire qu'on m'a donné là, oh, c'est un salaire vraiment illusoire. Et comme est-ce que c'est pas comme ça que je méritais de gagner, parce que je tiens compte de mon grade, je tiens compte de mes diplômes professionnels, mes diplômes universitaires. Non, non, s'il vous plaît, ce n'est pas quelque chose comme ceci que je devais mériter. Combien? Moins de 100 000. C'est comme quelque chose, comme une frustration. Et en ce moment-là, s'il vous plaît, nous n'avons pas de paix. Voyez? Cela veut dire qu'en fait, la paix devait être cette réconciliation de la personne avec elle-même d'abord. La tranquillité que la personne devait créer au-dedans d'elle-même. L'accord qui devait exister entre tous les sens de l'individu et lui-même. Si la personne est réconciliée au-dedans d'elle, si la personne fait l'effort donc de créer un climat de paix autour de la personne, c'est-à-dire entre la personne et les frères et sœurs autour de la personne, ce serait plus facile de se réconcilier avec l'Éternel. Or, dans beaucoup de cas, s'il vous plaît, regardez la vie que nous vivons tous les jours. Quand nous avons gagné ce que nous avons gagné, on n'est pas toujours satisfait. Nous sommes les éternels insatisfaits pour tout. Mais mon vieux, ne parlons pas de paix en ce moment-là. Mais cependant, l'Éternel a donné sa paix depuis le 12 septembre 1999 à 0 heure. Mais le simple fait que nous ne l'acceptons pas, nous ne l'intériorisons pas dans le cours de notre vie de tous les jours. Le simple fait que nous ne nous donnons pas la peine, nous ne faisons pas l'effort important de nous réconcilier avec nous-mêmes, eh bien, c'est nous finalement qui faisons de l'Éternel ce qu'il n'est pas. Mais cependant, en raison de son amour très fort, très, très important pour tout le genre humain, l'Éternel a donné. Maintenant, nous, qui sommes les heureux bénéficiaires, comment nous gérons le cadeau qu'on nous a donné très vite et très bien? Nous ne le gérons qu'à notre façon. Mais en réalité, ce qu'il y avait lieu de faire, c'est de faire suffisamment autrement. Voilà, merci monsieur le journaliste. Adam n'a pas accusé aussitôt Dieu. C'est parce qu'il s'était caché. Et quand les pas du Seigneur ont résonné dans le jardin, il a appelé Adam et dit, je suis ici, mon Dieu, et je me cache. Mais pourquoi tu te caches? C'est parce que je suis nu. C'est en ce moment-là qu'ils n'ont pas de paix. Parce qu'ils se cachent devant l'Éternel pour cacher une nudité apparente. La paix n'est plus avec eux. Voilà pourquoi ils peuvent se cacher. Parce qu'ils se reprochent de quelque chose. Voilà pourquoi il invente donc ce message. Parce qu'il dit alors finalement, si tu te caches, ça veut dire que tu as mangé le fruit défendu. Et si tu as mangé le fruit défendu, ce n'est pas moi, mais c'est la femme que tu m'avais donnée. C'est comme pour dire non, et j'étais tranquille, je n'avais pas besoin de femme, mais toi, tu me l'as imposé. Et voilà pourquoi celle-là. La femme est venue perturber sa tranquillité. Voilà, c'était ça un peu. Merci beaucoup. Inéluctablement, nous allons vers la fin de notre tribune. Mais avant le dernier mot, nous allons faire un tour du côté de la baie vitrée, re-suivre le message de Guy-Aimé Loufoy Sétchikwab. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, le monde entier. Car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Sinon, tout nous
nous a été accordé. Le tout nous a été accordé. Beto bonso butuizi dira fulu kiaki. Beto bonso tusi kamfumu. Bungu yandi wena fumu atulendo twato. Tata nzambi watuzula. Beto bonso butuizi dira fulu kiaki. Beto bonso tusi kamfumu. Bungu yandi wena fumu atulendo twato. Tata nzambi watuzola. Kiese. Beto bonso tusi kamfumu. Kiese. Beto bonso tuyangalala. Kiese. Beto bonso tusi kamfumu. Kiese. Beto bonso tuyangalala. Voilà mes très chers aimés et respectés du monde entier, mes gros chefs, mes gros kalaka. Le petit message que je tenais, ou le petit message que j'avais de vous donner en cette grande première et terrible fête d'action des grâces et de reconnaissance à notre Dieu qui nous a tout accordé, tout donné. Nous, les hommes de la terre, du monde entier, acclamons glorifions notre Dieu qui nous a tant aimé depuis la création. Qui est-ce? Beto bonso tusi kamfumu. Kiese. Beto bonso tuyangalala. Beto bonso butuizi dira fulu kiaki. Beto bonso tusi kamfumu. Bungu yandi wena fumu atulendo twato. Tata nzambi watuzola. Kiese. Beto bonso tusi kamfumu. Kiese. Beto bonso tuyangalala. Wewe ni ulendo lu. Wewe sina tata nzambi. Udi mburi tata nzambi. Merci la régie. Nous venons de suivre le message de Guy-Émile Loufois Sétikwabo par rapport à la fête d'action de grâce. Alors, mes chers prédicateurs, au regard de tout ce que nous venons de dire, au regard de tout ce que vous nous avez parlé des richesses divines, qu'allons-nous donc retenir? Chaque jour qui s'écoule nous approche du jour de notre mort. Et si nous laissons cette terre des hommes dans un état de culpabilité, c'est-à-dire, premièrement, nous n'avons pas cru aux richesses. Deuxièmement, nous avons foulé aux pieds tout ce qui nous a été dit. De cet autre côté, quand nous allons vivre la vie après cette vie, c'est certain que nous n'allons pas vivre du bonheur. Au contraire, nous vivrons le revers du bonheur. En ce moment-là, nous n'en voudrons qu'à nous-mêmes. Alain Kitemo. Merci. Moi, je voulais juste conclure par la question que notre téléspectateur venait de nous poser. Le fait qu'il a posé la question de savoir si le monde entier est au courant du message de Guy-Émile Loufois Sétikwabo à travers le monde. Si on prend 1980 à nos jours, je crois que ça fait 41 ans que Guy-Émile prêche la parole de Dieu. Donc, en 41 ans, croyez-vous
que le monde entier ne peut pas être au courant d'un message aussi important comme celui-ci. Un musicien qui meurt dans un pays donné, le monde entier est informé. À plus forte raison, ce qui bouleverse le commun des mortels. Le monde entier serait toujours informé. Donc je demanderai à l'homme de la terre de ne pas prendre, de ne pas faire de l'ignorance son bonheur. Sinon, ce serait catastrophique. Merci. Merci Alain Kitemo. Nous allons chuter avec le frère Claver. Un anthropologue dont je ne citerai pas le nom disait « Si ce que j'annonce n'est pas encore arrivé aux confins de la terre, c'est parce que j'ai une voix confidentielle. » Nous n'avons pas une voix confidentielle ici. Nous le clamons tout haut, nous sommes porteurs d'un message. C'est le message du salut. Ce ne sera pas faute de ne l'avoir pas dit, mais ce sera faute de n'avoir pas été entendu. Voilà pourquoi, pour conclure, nous allons dire ceci. Nous allons lire dans Jean 8, verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Merci, monsieur le journaliste. Merci, mes chers prédicateurs. Nous venons donc de terminer avec notre tribune, prélude à la fête d'Action de grâce, édition 2021. Nous vous disons tous merci et au revoir. À la prochaine. Merci. Fosse tu kwa mbo Wewe di wuna julu Wewe di wuna julu Wewe si na tata zambi Udi mburi tata zambi Udi mburi tata milo